Bonjour, je m'appelle Hussein Borchi, élève CM1. J'aime mon école et toutes les matières qu'on enseigne. Mais surtout, j'aime la conjugaison. Et c'est pour cela qu'on a choisi de vous présenter une pièce de théâtre intitulée « Le sens de conjugaison ». J'espère qu'elle vous plaira. J'attends vos commentaires sur la chaîne YouTube de l'école. Bon spectacle et merci. Bonjour les enfants. Bonjour maîtresse. Notre leçon d'aujourd'hui porte sur les temps du passé. Passé où? Évidemment du présent, passé. Reculer. Exprimer ce qui s'est passé dans un temps reculé. Comment? En utilisant les temps du passé que vous avez vu l'année précédente. Qui peut les citer? À toi, Anouane. Hier. Hier est un indicateur temporel, comme aujourd'hui, demain. On a déjà vu le présent de lundi. Maîtresse. Oui, amen. Le passé composé est l'imparfait. Très bien. Alors, qui peut conjuguer le verbe travailler à l'imparfait? S'agit. Je travaille mal. Tu travailles mal. Il... Stop! Je n'ai pas dit travailler mal. J'ai dit travailler tout court. Maîtresse, je n'arrive pas à suivre vos consignes. Pourquoi? Tantôt, vous nous demandez de prolonger l'effort. Tantôt, vous nous demandez de travailler tout court. J'ai bien demandé de conjuguer le verbe travailler tout court sans ajout. Non, mais si vous voulez que ce soit à l'imparfait. Exactement. Un travail imparfait est un travail mal fait, n'est-ce pas? Imparfait signifie inachevé. Dans ce cas, tous les temps sont imparfaits. Sauf le temps de la récréation. Oui, un petit quart d'heure qui s'achève avant même de commencer. C'est le plus parfait des parfaits. L'imparfait est le temps qui traduit les actions. Et les états dont les limites temporelles ne sont pas déterminées. Est-ce que c'est clair maintenant? Oui, maîtresse. Très bien. Maintenant, qui peut nous rappeler les terminaisons de l'imparfait? C'est contradictoire, maîtresse. On récite la contradiction. Vous avez dit imparfait signifie inachevé. Et alors? Inachevé veut dire non terminé. Et vous demandez la terminaison. Je parle d'un temps du passé. Il m'est difficile de vous suivre dans ce labyrinthe. Sois lucide et tout ira bien. J'espère. Bon, à titre de rappel, les terminaisons de l'imparfait sont... Alors, à quoi sert-il? Choisissons un autre verbe. S'agit, conjugue le verbe quitter. Hé, où vas-tu? J'exécute. Je ne t'ai pas demandé de sortir. Rien ne compte plus que les actes. Je vous propose les verbes cassés. Lire le mot lire ou écrire le mot écrire, c'est vraiment baratiné. Je perds mon temps, paraît-il. Maîtresse, on ne peut conjuguer le verbe perdre. Commençons d'abord par les verbes du premier groupe. Premier, troisième groupe, peu importe. Peu importe, on verra. Allez, conjuguez le verbe perdre. À quel temps, maîtresse? Imparfait. Vous voulez dire que l'action de perdre ne s'achève pas? En quelque sorte. Perdre continuellement, ça sera la catastrophe. Plus que cette catastrophe, il n'en existe pas. Y a-t-il quelqu'un qui peut conjuguer n'importe quel verbe? À quel temps, maîtresse? Imparfait. Si je suis là, c'est un peu pour un travail imparfait. Alors, passons à le plus que parfait. Maîtresse, même le parfait n'est pas de ce monde. Alors, comment voulez-vous atteindre ce qui est plus que parfait? L'imparfait est catastrophe. Le plus que parfait est inatteignable. Alors, aucun temps n'est avec moi. Le parfait. Le parfait est de savoir conjuguer les verbes à l'imparfait. Maîtresse, c'est contradictoire. Ah bon? Comment rassembler parfait et imparfait? Je ne demande pas de les rassembler. Je veux bien dire que vous êtes censé conjuguer des verbes à l'imparfait. Pour aboutir vraiment à ce qui est parfait, il faut conjuguer les efforts, pas les verbes. Pour aboutir à un sens parfait,
déléguer les efforts. Mais les désaffaires détruits et plus qu'imparfait, c'est une incivilité. C'est une incivilité. D'après vous, tout est imparfait. N'existe-t-il rien de parfait? Si, le temps.